Salut la compagnie, bienvenue à tous sur KO Gaming. On est ensemble face à ce monstrueux Kazuya Mishima qui vous regarde très méchamment sur le 10e épisode de Tekken 8. Et nous allons nous intéresser au 3e mode après avoir vécu le mode histoire officiel de ce Tekken 8 baptisé le Réveil des Ténèbres, après avoir fait les petits modes histoire de chaque personnage en mode alternatif, hein, histoire alternative de chaque personnage de Tekken 8, donc les 32. Eh bien, nous allons non pas faire un seul an de combat, puisque là c'est un joueur en ligne, donc nous n'allons pas faire ça, puisque je n'ai pas de PlayStation Plus, je vous le rappelle. Non, non, nous allons nous concentrer sur la quête arcade. Ce mode vous permet d'incarner votre propre avatar à travers différentes salles d'arcade tout en vous familiarisant avec les combats de Tekken 8. Voilà. Donc c'est ça, la nouveauté de ce Tekken 8. Donc eh bien, on va voir ensemble ce dont il s'agit, tout simplement. J'en ai aucune idée. Hein. Les sourires et les bruits de pression de touche ne manquent pas. Alors je vois des posters de chaque Tekken derrière. Enfin, j'ai vu celui du 2, j'ai vu celui du 3 et du 4. Les mots deviennent superflus lorsqu'un match ensemble vaut 1000 paroles. Fight Lounge. À présent, notre joueur veut faire ses preuves sur le ring. Donc là, on est dans la vraie vie, happé par le monde de Tekken, c'est votre histoire. Donc là, on est dans la vraie vie et nous allons contrôler certainement un avatar qui va vouloir devenir le champion du mode arcane de Tekken. Waouh, la statue, elle est incroyable. Beat, où est ton acolyte? Ça fait des heures qu'on l'attend. Je vais aller voir, vous pouvez continuer sans moi. On a la veste Tekken, le casque Tekken. D'accord, alors on se retrouve à l'intérieur. Ça marche, je serai là pour le début du tournoi. Bon, où est-ce que tu te trouves? On a la casquette Tekken aussi. Hey, t'es où? Cet endroit est plein à craquer, ça va être l'enfer pour se retrouver. Tu sais quoi? Dis-moi ce que tu portes aujourd'hui et je vais te trouver. Et là, on va devoir choisir faire notre avatar, c'est bien ça? Mais oui! Alors, dans la personnalisation de l'avatar, vous pouvez modifier l'apparence de votre avatar dans le salon et l'arcade quest. Il existe toutes sortes d'éléments comme les visages, les coupes de cheveux et les vêtements. Alors, laissez parler votre créativité, vous pouvez toujours modifier votre apparence plus tard. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 apparences pour votre avatar. L'avatar que vous utilisez dans le salon est l'avatar sauvegardé en tant qu'avatar principal. Vous pouvez modifier votre avatar principal via l'écran d'emplacement comme indiqué dans cette image. Vous pouvez utiliser des gains de combat pour acheter des éléments que vous pouvez équiper sur votre avatar, ou vous pouvez également en obtenir en jouant à des modes de jeu comme l'Arcade Quest. Plus vous aurez d'éléments, plus vous aurez exprimé votre créativité. Obtenez davantage d'éléments et trouvez une tenue qui vous correspond le mieux. Eh bien, nous allons jouer aux Sims, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que je vais faire une pause, et une fois que j'aurai terminé mon avatar, eh bien, je vous reprends de suite. Ce sera peut-être un peu moins pénible pour vous à regarder. Alors, à tout de suite. Ok, me revoilà. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, j'ai fait ma petite optimisation, comme vous le voyez. Hein. Bon, c'est un personnage qui pourrait me ressembler, hein, très clairement. Hein, avec la casquette, avec à l'effigie du tatouage de Jin Kazama, les chaussures, tout. Enfin, je pourrais m'habiller comme ça, hein, à part la casquette que je n'ai pas. Clairement, je pourrais très bien m'habiller comme ça, et ça m'arrive d'ailleurs, avec les lunettes et tout, et cette barbe. Voilà, donc j'ai fait un avatar qui me ressemble, tout simplement. Allez, terminé la personnalisation. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps, donc je pense que j'ai bien fait de vous passer ça, c'est parce que vous vous intéresse de toute façon. Donc allons-y. Te voilà. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas. Ah, je devais m'habiller. J'ai le cœur qui bat la chamade. Il y a de l'électricité dans l'air, on peut le sentir. On dirait Marty McFly, l'autre à gauche. Hein.
J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on attend la sortie de ce jeu. Je tremble rien que de penser au fait qu'on va enfin pouvoir y jouer. Eh, hey, il est sorti avant longtemps, hein, le 8. Tu vois des machines de libre? Alors, ils sont tous à la frame. C'est pas des machines à jouer superbes. Là, il y en a une, ça y est, on va pouvoir jouer à Tekken 8. Oh, attends, tu as déjà joué à un des jeux précédents? Oh oui, tous! Jouer tous les didacticiels pour les joueurs débutants. Ouais, donc pour ceux qui commencent Tekken, il vaut mieux commencer par ce mode-là. Jouer uniquement des didacticiels pour les joueurs expérimentés. Bon, on va passer, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau Tekken? Dans Tekken 8, le mot d'ordre est agressivité. Prépare-toi à admirer des combats spectaculaires. Oh, j'allais oublier, il y a un tournoi auquel seuls les joueurs les plus célèbres sont invités. Allons voir. Ce tournoi spécial de Tekken 8 a atteint son apogée. Qui d'Orochi ou de Blade en sortira vainqueur? Le gagnant recevra une invitation spéciale pour participer à l'événement Master du Tekken World Tour. Un événement qui se joue en e-sport, qui est assez reconnu quand même. Accrochez-vous bien, préparez-vous au prochain combat. Moins connu que... Il est quand même un petit peu moindre que Street Fighter ou Mortal Kombat. Mais il a quand même sa grosse communauté, hein. Je pense que c'est le numéro 3 Tekken en termes de... En termes de... De communauté... De grandeur de communauté autour d'un événement e-sport en jeu de combat. C'était un combat acharné, quel talent impressionnant. Notre nouveau champion est Orochi. Oui, il n'a laissé aucune chance à son adversaire. Orochi, avez-vous un commentaire sur votre victoire? Je suis ici pour une seule chose, devenir le meilleur joueur au monde. J'écraserai tous ceux qui se dresseront sur ma route vers le sommet. Ce discours m'a donné des frissons. Un jour, je serai peut-être à sa place sur le banc de la selle. Au fait, tu sais quoi? Ils ont Tekken 8 à Gong. Vraiment? Eh bien, maintenant que le tournoi est terminé, on devrait aller voir. Très bien, retournons à Gong pour l'essayer. Alors, Gong. Ah, ok. Une petite salle d'arcade où se rassemblent les joueurs débutants, la communauté centrée autour de Max est affairée à s'affronter et à partager des informations sans cesse. On dirait que le tout nouveau Tekken 8 est sorti aujourd'hui. Rang de l'adversaire principal, premier dan, deuxième dan, stratégiste. Bon, pour l'instant, ça parle beaucoup, on va voir ce que ça va donner, mais j'imagine que je dois affronter des joueurs comme ça. Eh, hey, te voilà, Sanaka. Le jeu vient de sortir. J'adore le moment où tout le monde essaie de trouver en premier les personnages les plus puissants du jeu à sa sortie. Tout a l'air complètement nouveau. Voyons voir quel personnage devrait essayer en premier. Allez, dépêchons-nous de jouer. Fais-moi signe quand tu voudras commencer. Je vais t'apprendre les coups à utiliser avec ton personnage. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Max, le professeur de Tekken, après tout. Oh bah oui. Ok, j'ai déjà des cadeaux. Casquette sport... Novice, progression de l'histoire principale en Arcade Quest, ouh, un signe Mokujin, jauge de santé Mokujin, plaque Mokujin, ok bon, je suis un débutant. Ah oui d'accord, ok donc je contrôle quand même mon perso, hein, au KO Gaming. Hey mec! Ah oui, on passe à travers les joueurs, regardez, je fusion. Fusion! Regardez-moi ça. Waouh! Magnifique, j'ai trois bras. Bon, ok. J'imagine qu'il faut que je m'installe quelque part. Il faut que je discute avec Max, peut-être. Voyons un petit peu ce qu'on a, là. On a une affiche de Tekken 7 avec Katarina, Lucky Chloé, Kazumi, Shahin et Claudio. On en a 3 qui ont disparu. 4, hein, comptant Ayachi, qui ont disparu. On a un truc avec marqué « Come on in ». And take a look de King, Xiaoyu et Lily. On a un calendrier Tekken. C'était le Tekken Blood Vengeance. Pas Blood Vengeance, je sais plus son nom, le dessin animé qui a eu lieu. D'ailleurs, j'ai regardé le Tekken sur Netflix. Bloodline, il est sur Tekken 3, donc je vois l'affiche en haut à droite. Il est incroyable, donc je vous conseille vraiment de le regarder. Donc là, on a toutes les affiches, hein. On a Tekken Tag 2, on a Tekken, donc le dessin animé, on a Tekken 4, Tekken 6, on a
Tekken 5, on a deux affiches de Tekken 6. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on a. Je vois qu'on a des figurines de Tekken. Je vois du Ling Xiaoyu, je vois du Lily, je vois du Asuka et King. Bon, on peut pas parler à tous ces gens-là, donc on va parler à Max. Très bien, allons-y. Choisis le personnage avec lequel tu souhaites combattre. Et maintenant, viens m'affronter. Ah, ça met les musiques que j'ai sélectionnées dans la mode playlist. Sélectionne le positionnement des personnages au début de combat. Oui. Donc, vous avez reconnu que c'est le thème principal de sélection de personnages de Tekken 2. Et oui, je l'ai pas... C'est pas un jeu que j'affectionne énormément dans la saga Tekken, mais alors j'avoue que la musique, j'ai vraiment bien apprécié. D'ailleurs, c'est dans son mode de PlayStation. Donc si je devais prendre un personnage par rapport au classement Inter-Tekken par exemple, je prendrais Léo Claissen, voilà. Mais mon cœur me dit de prendre quand même Kazuya Mishima, bien entendu. Et regardez comment je l'ai personnalisé. Je l'ai fait en mode Yakuza. Oui, alors c'est moi à gauche, hein. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu navré, là. Alors, on a des didacticiels quand même. Oh bah, R1. Ok. Essaye d'exécuter. Oh là là, que c'est dur. Ah mais c'est que des entraînements. Essayez d'exécuter cette commande. Ok, ouais, bon, ouais, très bien. Tu veux essayer? Non, je voulais pas de didacticiel. Bon, c'est l'un de mon premier combat, allons-y. Tu devrais mettre en pratique les nouvelles choses que tu apprends. Ah oui, affronte-moi maintenant et c'est le système de hit. Alors il y en a qui disent hit, mais bon, hit, il y a aussi le hit HIT. Hein, donc, Round 1, fight. Bon, t'es tombé tout de suite le hit. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est les projections, ouais, bon, ok. Ok, ouais, bon. Je connais les coups à gauche. Mais non, il est nul, Max, hein. You win. Bon, bah ça c'est fait. On va revenir à la salle d'arcade. Bon, j'espère que ça sera pas aussi long après. Là, c'est les débuts, donc ouais. Active le mode adapté pour faire un head match. Avec ça, la victoire est quasiment assurée. Teste-le en combat réel. Ah oui, j'ai oublié de te présenter à la bande, c'est grâce à eux que Gong est un endroit génial, waouh! Après tout, tu es fan de Tekken comme nous maintenant. Je m'appelle Beat, ravi de te rencontrer. Moi aussi je suis débutant à Tekken, mais je n'arrive plus à m'en passer. J'adore utiliser des coups stylés pour épater la galerie, tu vois, et c'est toi qui... Et toi, c'est qui ton personnage préféré? Salut, je m'appelle Prime, ce que j'adore dans Tekken, c'est qu'on peut montrer sa personnalité grâce à la personnalisation. Avec la personnalisation, tu peux imposer ton style face aux autres, et ça c'est déjà une victoire. Salut, je m'appelle Nick. Bonne chance, tu débutes, mais si t'as envie d'un combat, c'est quand tu veux. Hé, hey, mais qui voilà, un nouveau loser qui se ramène ici. Je vais en profiter pour gagner quelques points de rang de plus avec un match facile à gagner. C'est avec lui que j'ai fusionné tout à l'heure. Je suis un habitué de la salle d'arcade de Gong. C'est l'endroit idéal pour tous les fans de Tekken. N'hésite pas à me voir si tu... Gonflé à bloc. Ils appellent ça de l'histoire.
Ok, bon bah là maintenant, obtenez le rang de premier Dan. Alors attends, celui qui se la pète là, Nick. Oui. Ah, il faut faire triangle. Allez, vas-y. Allez, vas-y, je t'attends. Contre Steve. Alors, vous avez vu la dernière fois, enfin, je vous ai déjà dit dans les... plusieurs fois où je me suis battu contre lui, je trouve que ses coups sont excessivement puissants. Round 1. Fight. Oh. Ok, ok. Voilà. Ça c'est fait. Pourquoi il y a marqué passage en mode hâte 0 sur 2 ? C'est trop bizarre comment je change de terrain. Oh, je l'ai défoncé le Nick. Oh. Bon, ok. Encore des plaques Mokujin. Ah oui, vétéran Mokujin, attention. Grimpez les rangs. Le rang vous aide à déterminer les compétences d'un joueur. Si vous remportez assez de matchs, vous monterez de rang, montez à tous vos talents en obtenant les rangs les plus élevés. Ça, on connaît depuis le mode fantôme, depuis Tekken 5. Parfois, un point d'exclamation apparaîtra après avoir vaincu un autre joueur ou avoir gagné un rang. Cette icône signifie que vous pouvez voir la suite de l'histoire. Ok, très bien. Et on a eu encore des chaussures. On n'arrête pas d'avoir des cadeaux, c'est incroyable. Revenir à la salle d'arcade, et comme ça, Nick fermera son clapet. Mais t'as raison, ouais. Tu as vraiment tout donné pour avoir cette promotion, bravo, ton rang indique ton niveau de jeu. Indique, continue comme ça et tu atteindras le sommet en un rien de temps. Alors le Head Smash, n'a plus de secret pour toi? Passons à la prochaine étape. Entraînons-nous avec un combo aérien qui fait appel au Head Smash. Allez. Ok. Combo aérien, c'est bon. Une note de coup recommandée sont maintenant affichées en combat désormais. Ah, on peut encore le ridiculiser. Bon, bah... Mais moi, j'aimerais bien... tiens, regarde, prime, là. Il y a un coffre. Quand mon personnage a une tenue cool, je joue depuis toujours plus longtemps. Je dois montrer aux autres que je suis classe. Tu as peut-être aimé ma tenue. En tout cas, je vais passer au second... Oh non, Lily, ils prennent tous les personnages que je veux pas. Avec la musique de Paul, de Tekken 3, que j'ai placée ici. Oh, sa tenue est très originale. Il suffit de bloquer, là. En tout cas, il n'y a plus les Q. Ça, c'est fini. Donc, tu m'énerves. Round 2. Fight. Je peux pas les enlever, les trucs à gauche. Voilà, comme ça, il y a le machin à droite qui s'en va. Bon, ça c'est plié. Vous avez reconnu les musiques de Tekken 3 de Paul. J'ai mis à la fois la version PlayStation et après la version arcade. Alors pas mal, pas vrai? Ah, il faut encore que... Ok. Néo... machin... Marco, Olivier. On va prendre tous ceux qui... Ah bah tiens, Bit. On va prendre Bit.
sans mauvais jeu de mots, bien sûr, hein, je vous connais. Hein. Ah, c'est tellement agréable de terminer sur un coup stylé, tu vois ce que je veux dire, peu importe ce que je perds. Non, vas-y. C'est ça. On n'est pas encore au deuxième Dan. Face à Jack 8. Trésor à la clé. En fait, c'est juste un mode fantôme scénarisé, finalement. Ah, il est stylé, son Jack 8, j'aime bien. Ok. Ah oui, d'accord, il me mouette. J'essaie d'effectuer ce qui est marqué au-dessus pour vous dire que Jack 8 ne m'a pas du tout inquiété. D'accord, oui, il y a une mission de Max en plus. Très bien. Bon, si c'est trop barbant, on fera pas le mode Arcade Quest ensemble. C'était juste déjà premièrement pour vous montrer. Hein. Bon sang, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Et de suite que je suis nul. Eh bien, tu ne fais que grimper de rang en rang. En parlant de ça, j'ai quelque chose pour toi. J'étais en train de me dire que ce serait cool de participer au tournoi. Les tournois, c'est bien plus amusant que les combats habituels, tu sais, c'est un tout autre niveau. J'aimerais bien te voir rentrer dans l'arène, toi aussi. Une minute, toi aussi tu as participé au tournoi? Non mais t'es nul, toi. Il faut que tu saches que les tournois, c'est un tout autre niveau. Détends un peu tes épaules. Crois-moi, c'est un conseil qui te donne un pro. Pouf. Je prie que tu aies le trac à l'idée de participer à ton premier tournoi, hein. Mais n'oublie pas que c'est une compétition conviviale. L'essentiel, c'est de s'amuser. Mais c'est ce qu'on fait. Dites bonjour à Max. Alors attendez, moi j'aimerais aussi... tiens, AO. J'adore le bruit que font les coups en mode hâte. Ok. Je vois ce que ça fait, ceux qui ont des petits points sur les côtés. Bon, maintenant c'est Xiaoyu. Vraiment pas les persos que j'affronte qui me plaisent le plus. Vous avez reconnu la musique de Ogre de Tekken 3. Mais la version arcade, justement. Et là, c'est... Je ne sais même plus que j'avais fait ça, mais oui. J'avais mélangé la musique de Ogre et de Azazel. Parce que cet endroit me faisait penser à un temple, en fait. Donc, je voyais bien un boss ici. Bon, très bien. Revenir à la salle d'arcade... On n'est pas loin du rang Fighter, je vois. C'est bien aussi qu'il y ait une petite barre de progression. On ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait passer. Boum, tu m'as eu. Ah oui, donc tous ceux qui ont avec un point gris, du coup, c'est qu'on les a eus. Par contre, tous les mêmes qu'on a déjà eus, on peut... Enfin, c'est pour avoir des... J'imagine des sous. Bon, je vous propose qu'on les combatte tous. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Get ready for the next battle. Oh bah face à Azucena, ma tête de turc, elle est ici présente. J'aime bien le skin, ça change. Ouais, j'aime beaucoup moi, c'est décalé, mais à la fois réaliste aussi, j'aime bien. Oh, mais dis donc Olivier, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ça c'est parce que j'ai dit que c'était une tête de turc. Néo, j'avoue qu'elle a failli au début, hein. Enfin, il, parce que c'est Olivier, c'est pas... Enfin, Azucena, comme vous voulez. Les deux
deux marches. Est-ce que vous voulez parler du joueur ou de la combattante? En tout cas, il y a du contre, hein. Il y a du répondant en face quand même, faut l'avouer. Et je suis passé au rang de fighter. Et je suis insane. Très bien. Vous trouvez pas que mon Kazuya est la classe quand même, hein? Je l'avais fait avant de commencer le let's play. Arc, je dois prendre de meilleurs combos. Mais j'avoue qu'Olivier, il est pas mal. Olivier, il est pas mal. Alors, Saphir Fist, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rang, en tout cas. Donc, on peut se battre face à lui, mais... Shaheen. Face à Marco. Ah, évidemment que j'ai mis... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est cool, ça aussi. Je sais même pas qui c'est. C'est cool. Donc j'ai, vous avez reconnu évidemment le terrain de Tekken 6. Enfin la musique, ça va très bien avec Et vous verrez ce que j'ai mis en deuxième terrain boosté. Yes! C'était chaud quand même! Marco, il a failli m'avoir! Et j'ai mis donc une musique de Tekken 5! J'ai essayé de varier au maximum les opus. Hein. Parce que c'est vrai que quand vous m'avez vu jouer au. Comment on appelle ça? Au tournoi Inter-Tekken, mais dans Tekken Tag 2, vous avez vu beaucoup de musique de Tekken 3 et 4. J'avais envie d'équilibrer un petit peu plus pour ce 8. Très bien. En tout cas, ceux qui ont les points, ils sont pas mauvais. Hein. Je comprends pas pourquoi on met des bonus de lenteur extrême. Je suis si lent que ça. Ok. Il y a Néo machin là. Ouais, vous voyez, Marie, tout cela là, je sais pas. Fais voir. Un spectateur expert. Ah oui, d'accord. Donc nous, on va se frotter à Néo MN. New challenger. Get ready for the next face à Feng Wei. Alors que vous avez encore reconnu une musique de Tekken 5, qui était sensiblement dans une arène comme ça aussi, bon, beaucoup plus petite. Non, loupé. Ok, nickel. Et là, on a la musique de combat face à Kazumi dans Tekken 7. Oh. Très bien. Allez, on monte, on grimpe les points. Non, on sera encore fighter, les amis. Bien, on continue. On en avait un autre juste à côté. Il est où? C'était pas lui?
Non, on est passé à travers, lui aussi, ouais, franchement, c'est un peu abusé. Hein. Mais ok, il sert à rien. Alors, on va faire avec Jiromaru. New challenger. Très bien. Get ready for the next battle. Kazuya contre Brian. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terrain quand même. Oh, pff, alors là, le costume est ridicule. Round one. Fight. J'aime bien quand ils font décaler comme ça. Enfin, moi, je serais incapable de faire un truc pareil, parce que j'aime bien avoir de la crédibilité, en fait. Mais il y en a, ils s'en fichent complet, et je respecte. Ok, nickel. Ah non, trop tôt, dommage. Oh, il m'a eu. Et c'est vrai qu'en plus j'étais sur le point de casser le match et j'ai hésité et après je l'ai laissé taper. J'ai été incapable de revenir. Là. Bon, bah j'ai concédé mon premier round quand même. Et je suis encore fighter, mais alors vraiment à rien, à 19 points. C'est ridicule. Bon. Bah, je les aurais tous eu. Je pense. Ouais, tous ceux qui avaient des gants, ils sont bons. On va rebattre un qui avait des coffres. Je sais pas, l'autre là, lui là. Est-ce qu'il va reprendre Steve? New challenger. On va voir. Oh, il reprend Steve. Ok, très bien. Parti avec promotion. Et une fois que c'est fait, on reparlera à Max pour voir la suite. Ah oui, donc Fighter, c'est 3ème Dan, hein, c'est l'équivalent, hein, je voyais pas le, avec le rang. Et lui, il est 2ème. Oh, à chaque fois, j'en mets plein de tronches. En fait, tous ceux qui font partie des personnages du mode histoire, je pense que ceux avec les gants, c'est des profils de joueurs qui existent en fait. Et l'IA a dû essayer de reproduire, on va dire, leur mouvement. Voilà. Et donc je passe stratégiste. Et en soi, Dan numéro 4. Donc oui, ils ont enlevé les Q, c'est ce que je disais au début. Allez, on va aller parler à Max. Bah oui. Maintenant que je me suis assez entraîné. Super, on dirait que tu es prêt à y aller. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Bon sang, j'ai trop hâte. Bienvenue tout le monde au premier tournoi de Gong depuis la sortie de Tekken 8. Faites du bruit. Passons aux choses sérieuses, joueurs à vos machines. Traitez à cran, alors utilisez cette énergie pour passer un bon moment. Ah d'accord. Donc KO Gaming, donc c'est moi contre Marie. On l'a pas vu, elle était spectatrice, elle disait. Hein. Hey, tu as mis de Max, t'as vrai, je m'appelle Marie, ravi de faire ta connaissance. C'est ton premier tournoi, non? C'est à la fois exaltant et angoissant, pas vrai? Allez, c'est l'heure de se battre. Alors comment les machines peuvent se connecter entre elles? Je ne sais pas. Mais bon. Allez, face à Panda. Donc, normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est très loufoque hein, comme tenue. Ghost. Je vois qu'il y a marqué Marie juste en dessous du nom de Panda. Donc à mon avis, il doit reproduire aussi pareil des mouvements. Round 2. Fight.
mouvement du fantôme d'un joueur, en fait, tout simplement. Très bien. Ah oui, on continue de passer des rangs aussi. Bon, le côté tournoi m'intéresse un petit peu plus et je passe face à Babyface qui joue King. Je vois que Henry joue Kazuya, Katsuya joue Jun, j'ai pas vu à droite. Contre King, ça devrait le faire aussi. En tout cas, j'aime beaucoup le côté tournoi, c'est sympa. Puis en plus, on n'est pas interrompu à chaque fois par les dialogues des personnages. C'est plutôt cool. Alors, un costume sobre pour King, contrôlé par Babyface. Oh, dis donc. Eh oh, ça suffit. Ok, nickel. J'avais joué en réseau avec... dans Tekken Revolution, parce que Tekken Revolution, vous n'aviez pas besoin du PSN pour vous battre en réseau, il vous fallait des jetons. Alors oui, vous aviez droit à 3 jetons par jour, et tant que vous ne perdiez pas un combat, vous gagniez un jeton, en fait. Enfin, vous ne les perdiez pas, et si vous arriviez, je sais plus, à X victoires, vous regagnez des jetons. C'était assez bien pensé, je trouve, et ça m'a permis un petit peu de mesurer aux gens extérieurs à ce qui se faisait d'habitude. Voilà, histoire de jouer en réseau et pas être bête. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Il y en avait qui avaient des rangs incroyables. Et moi, bah, vu que je jouais pas beaucoup en réseau, bah, j'avais vraiment un faible rang. Donc on se foutait un petit peu de moi à chaque fois qu'on disait oui, tu es trop faible et machin. Et puis quand je leur foutais des branlées, ils étaient vénères. Ils criaient au micro, c'était trop drôle. Puis alors, il y en avait qui faisaient 50 fois la même chose. Les Marshall Law, il y en avait, hein, je vous le dis. Hein. Ok, nickel. Elle est méconnaissable, Jun. Elle ressemble plus à Asuka. Voilà, tu t'es pris les 3. Ah, c'est trop court. Et je passe combattant, les amis. Alors que je vois les fonds verts arriver la prochaine fois et nous allons nous battre donc pour la finale. Face à Nick. Oh bah oui, bon, on l'a déjà battu 2 fois, donc ça devrait aller. Qui... Oh, je vois qu'il y a un... Il y en a un qui a le même prénom que moi dans le tournoi. Je vous dirai pas qui c'est. Ouais, tu es arrivé jusqu'en finale. La victoire me tend déjà les bras. Ah oui, donc le mec, il s'est pris 2 fois mon poing dans la figure. Mais il ose me dire ça. Donc encore face à Steve, forcément. Il est combattant. Avec ses pauvres lunettes, là. Ah, il est monté 5ème Dan. Donc, ça veut dire qu'il serait normalement plus fort que la dernière fois. En tout cas, c'est clair que il est vraiment tourné sur l'offensive, hein, sur ce Tekken-là. Allez, c'est cuit. Et voilà, un tournoi de gagné.
Je suis content de vous en avoir au moins montré un. Comme ça, on va voir un petit peu comment ça va s'avancer. Et j'imagine que ça va être à chaque fois le même plan. On va rentrer dans une nouvelle salle. On va devoir affronter des nouveaux joueurs. Et ensuite, une fois qu'on a fait assez de joueurs, on se fait le tournoi, etc. À mon avis, ça va se présenter comme ça. Bravo pour ta victoire et à ton premier tournoi en plus de ça. Toi, tu as Tekken dans le sang, dis-moi. J'y crois pas, c'est génial que tu sois arrivé en tête à ton tout premier tournoi. J'ai perdu dès le début, mais c'est pas grave, je me suis bien éclaté. J'arrive pas à croire que j'ai échoué devant la ligne d'arrivée. Mais il était là, lui. Hé, toi, c'est toi qui es arrivé premier à l'autre tournoi. Orochi, c'est ça? Ah oui, non, c'était pas Nick. C'est trop cool de te voir débarquer à Gong. J'étais sur le point de partir, pardon pour le dérangement. Je suis venu chercher des adversaires dignes de ce nom, mais on dirait que je suis au mauvais endroit. Tu ne pouvais pas mieux tomber, d'ailleurs tu ne pourras pas en être sûr tant que tu n'auras pas affronté tout le monde, pas vrai? Comme je l'ai déjà dit, je serai le meilleur combattant au monde, pour y arriver je dois me livrer à des matchs sérieux. Mais tout ce que je vois ici, ce sont des gens pour qui tout ce qui importe c'est que leur personnage ait l'air cool, et qui n'essaient jamais vraiment de devenir plus fort. Qui se pavanent, qui montrent simplement des coups qu'ils apprécient et qui se fichent de perdre ou de gagner. Ou les lâches qui préfèrent éviter les combats qu'ils ont peur de perdre. Il n'y a aucun adversaire sérieux et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à me livrer à de faux combats. C'est faux! Le principe de Tekken, c'est de jouer comme on veut! Tu racontes n'importe quoi! Je veux profiter de Tekken et faire de Gong un endroit agréable où jouer avec mes amis. Je crois que tu ne comprends rien, on ne voit pas les choses du même œil, toi et moi. Qu'est-ce que tu racontes? On a la même passion pour Tekken, pas vrai? Si vous prenez Tekken au sérieux, joignez le geste à la parole. Essayez de voir si vous êtes capable d'atteindre la scène du Tekken World Tour. Après tout, pourquoi ne pas se livrer à un petit combat ici? Mais ça m'étonnerait qu'un seul d'entre vous soit à la hauteur. Si j'ai bien compris, selon toi, tous les matchs qui ne sont pas ultra sérieux sont des faux matchs, c'est ça? Non, je n'y crois pas. Quand on prend du plaisir sur Tekken, c'est réel. Peu importe la façon d'y jouer. Ok, on va montrer à Roshi de quoi on est capable. Ça me plaît. Le plus important du monde, pour avoir le droit d'y participer, il faut d'abord remporter un tournoi. Je sais, nous devons justement affronter les joueurs les plus forts pour pouvoir nous améliorer. Si tu veux t'améliorer, tu vas devoir affronter de nombreux adversaires pour gagner en expérience. Allez, il est temps de partir! Nous allons faire ravaler sa fierté à Orochi. Bon, et si vraiment c'était une démo promotionnelle, ce jeu, franchement, ça aurait pu. Enfin, ce mode. Et dès qu'il y a le mot Tekken, il est en majuscule. Ça aurait très bien pu être une campagne promotionnelle. Je peux pas me barrer d'ici, là? Oui, bah oui, je vais aller dans une autre salle d'arcade. Alors, j'ai débloqué... Voyager pour trouver des adversaires. En progressant dans l'histoire, vous pourrez visiter d'autres salles d'arcade. Partez vers ces salles d'arcade pour y affronter de nouveaux adversaires. Vous pouvez parler à Max à tout moment, une fois parti, pour retourner à Gong. Alors, j'ai le choix entre Phoenix ou Final Round. On va peut-être prendre Phoenix, parce que Final Round, à mon avis, je suis pas encore prêt pour... rang de l'adversaire. Combattant, brawler, cavalerie. Ah bah tiens, bah on va regarder du coup. Mystérieux établissement sous haute surveillance. Les clairs du combat iront identifier ce nuit après nuit. Il semblerait que si on puisse affronter son propre clone, créé à l'aide des technologies dernier cri. Du coup, je suis intrigué. On va quand même aller là-dedans. On est à 44 minutes. Alors là, maintenant, on a les Flipper Tekken. Le Iron Fist Pinball. Alors, on a quand même des billards, mine de rien, quand même. Truc son casque. Là, je vois pas de référence à Tekken. Eh, ça faisait longtemps que vous n'avez pas croisé dans le coin. Ah oui, je suis venu avec toute ma bande hein, de loubards. Nous sommes tous amis ici, alors laisse-moi te faire visiter. Les gens m'appellent Turbo. Merci, oh je m'appelle Max et je te présente mes potes de la salle d'arcade de mon quartier. J'ai entendu dire qu'il y avait des joueurs de Tekken plutôt doués ici, alors on est venu. Ah oui, vraiment? Eh tout le monde, ces types-là sont venus pour de vrais combats de Tekken. Oh, regardez-moi les eux. je vais vous juger. N'hésitez pas à défier les gens que vous croisez hein, et on vous montrera comment jouer avec classe. À Tekken. Eh, tu veux t'entraîner un peu avant d'affronter un véritable adversaire?
J'ai justement l'entraînement parfait pour t'aider à t'améliorer. Préviens-moi quand tu voudras commencer. De toute façon, je peux parler à personne là. Je peux pas jouer au flipper. Il n'y a rien à faire ici. Hein. Alors, à part Max, je ne vois personne. Darts. Oui, bah oui. Tu es prêt? Ça sert à rien en fait ce promo. Il faut que je te prévienne, ces galets sont vraiment forts. Je te conseille de commencer à utiliser le plus de combats, de combos aériens possible pour accumuler les dégâts. Non, c'est bon, on va se débrouiller tout seul. Tu prendras encore plus de plaisir à jouer à Tekken en maîtrisant les combos aériens. Moi, je suis une tête brûlée, moi. Pouf! Avec son casque de moto, il est ridicule. Elle, ça, je vois qu'elle a des talons. Pas mal, pas mal du tout. Maintenant, il est temps de passer à l'événement principal. Mais regardez-moi ces tronches derrière. Montre-moi ce que tu sais faire. Dis-moi quand tu voudras commencer. Avec une voix de fille. Hein. Ces mecs aiment balancer des coups puissants pour avoir la classe. Je vais t'apprendre à utiliser un power crush. Ça t'aidera à gagner. Oh, mais non, c'est bon. Allez, allons-y. Écrito. K.O. Progression d'histoire principale en Arcas. Ouais. On sait. Alors, saluer les personnes marquées d'un point d'exclamation. Alors, on a Jet. Alors là, il y a du monde. Alors, on est à 46 minutes. On finit le... On va finir l'épisode avec Jet. Tant qu'on n'est pas loin... Bon, là où est le plus rapide du monde, et ça c'est parce que j'utilise... Bouya. On affrontera Jet en dernier combat de l'épisode. Et donc voici un Martial Law. Donc notre... le combattant le préféré de... les gens. Ils l'ont déguisé en Steve, quoi. I hate rich people. Ah, on a... Ok. Qu'est-ce qui se passe? Round 2. Fight. Oh, il a évité ma chope. Bon alors, Kavin, il était nul. Bon, très bien. Suivant. Alors, tu as réussi à battre mon Law, il y aurait un pas plus rapide que toi, mais ce n'est pas terminé. Ok. Très bien. Putain, ils ont soigné les flippers alors qu'on peut passer complètement à côté en fait. Ah oui, ils ont mis quand même la même. Ils ont quand même mis la même. Allez, on va affronter Fernand. New challenger. Voilà, parce que Fernand il se la pète un peu, je trouve. Face à Jean. Ah. Dans la forêt. Oh. Là. Round 2. Fight. Ah,
Alors j'imagine que le tornado c'est le coup qui me met en recommandé. Et je suis passé Brawler, les amis, Brawler. Ça y est, je suis dans la case verte. Alors, je ne connais absolument pas la durée de vie de ce mode Arcade Quest. Je regarderai un peu, parce que c'est possible que ce soit un peu long, quand même. Bon, Fernand, il est vénère. Izumo, je pense pas qu'il voudra... Ok, tous ceux qui sont pas en... Ouais, lui j'ai déjà eu. On en a... Ah bah on a Jerry ici. Puisqu'on est à 51 minutes, on peut encore en faire au moins un ou deux avant Jet. Face à Claudio donc, qu'est-ce qu'ils ont tous avec leurs cheveux verts? C'était pas ça un tornado, c'est très bien. Ah, il se venge, le Claudio. Ah, mais en fait, j'étais en... D'accord. C'est moi qui me suis planté. Non, il faut que j'arrête de regarder ce qu'il y a à gauche, hein, parce que bon... J'ai fait n'importe quoi du coup. Ils veulent m'aider mais en fait ils me pénalisent à force. Là. Allez. C'est fou quand même, quand vous êtes concentré, y a quand même plus de choses qui passent mieux, hein, bizarrement. Hein. Ah bon, j'ai essayé le coup chargé. Bien. 52 minutes, je pense qu'on peut encore en avoir un avant Jet. Et nous allons parler à... Ah oui, attendez, parce que... Il y a aussi Daniel. On va faire Daniel. Je pense que lui, par contre, il fait partie du mode histoire, avec son Lars, qui est donc niveau Brawler. Oh, une tenue normale pour Lars, à part son sabbat à Negan. Ok, bon, je regardais ce que c'était un Power Crush. Mais... Nickel! Ah, une fatigue avec leur truc sur les côtés. Et du coup, vous vous concentrez sur autre chose et... Et voilà. Bon, on va pouvoir discuter avec Jet. Bon, il restera qui? Imelda, Umberto... Ah oui, là, il y en a pas mal. Van, Nestor et Neo-MN. Encore Neo-MN? Bon, on va discuter avec Jet.
c'est moi qui vis dessus la fontaine. Ok, d'accord. Avec le poing levé face à Warang. Il est badass son Warang. Voilà. Round 2. Fight. Donne un chini, là, là, là. Bon, il fallait bien qu'il en place une. Voilà. Très très bien. Il avait une bonne défense, ce petit Warang. Donc j'ai battu Turbo, je pensais battre Jet, mais bon, on a 56 minutes, donc on va peut-être avoir le temps de battre Jet aussi. Allez, c'est parti. Face à Paul. Et alors lui, il est cavalerie. C'est bien qu'ils mettent la traduction en nombre de dames parce que... Oh, il est trop bien son Paul, j'avoue. Alors moi je suis... Ah oui, 8ème dan, d'accord. Donc ça risque d'être compliqué. Donc, vous avez reconnu la musique de Nancy. M1845J de Tekken 6. Ok. Et là, le même endroit, sauf que c'était pendant la campagne de Tekken 6. Pour la musique, hein, je parle. Bon, il y a du répondant, hein, quand même. On sent quand même, j'aurais peut-être dû m'entraîner un petit peu avant face aux autres. Et donc, je suis passé Ranger. Très bien. Et donc nous sommes à 58 minutes, donc nous allons nous arrêter ici après, évidemment, qu'il se soit lamenté. Ah, ça y est, il a enlevé son casque, enfin, elle, parce que c'est une fille. Nous avons vu qu'elle avait des talons. Bien joué, tu sais quoi, il y a quelque chose qui me plaît chez toi. Je m'appelle Jet. Un combat où même les spectateurs s'éclatent, c'est ça, jouer comme un match vu. Alors ça me plaît. Tu as tout juste un combat, c'est aussi palpitant pour les gens qui regardent que pour les combattants qui s'affrontent. Il n'y a rien de mieux. Le style de jeu reflète la personnalité du joueur, c'est ça, et la découverte de son propre style de jeu qui rend Tekken si intéressant. Au fait, vous êtes déjà allé à Wonder City? Les joueurs là-bas ont une façon unique de jouer, vous devriez y aller si jamais vous en avez l'occasion. Ah oui, je connais cet endroit, on m'a dit qu'il prenait la personnalisation de personnages très au sérieux. Ah oui, fait que ça, elle. La pseudo-Alissa. Je me demande ce qu'ils valent là-bas, on devrait aller voir. Pas besoin d'attendre plus longtemps, prochain arrêt, Wonder City. Faites attention à vous, n'hésitez pas à revenir nous voir pour un match retour. Bon, en fait, c'était ouais, c'était juste le... Il n'y a pas de tournoi ici. Je vais te voir. Non, il n'y a pas de tournoi ici. Oh, quel dommage! Quel dommage. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec vous, à vous abonner à la chaîne. Je pense refaire encore au moins... un épisode d'Arcade Quest, bah, pour voir vraiment aller plus dans le détail, voir ce qu'il peut y avoir ensuite, avec notamment en plus la salle
la salle fantôme là, ou je sais plus quoi, là, ce que j'ai pas prise tout à l'heure. Et si c'est trop long et que c'est trop redondant, je le ferai de mon côté. Et puis voilà. Allez, bah, je vous fais des bisous et je vous dis donc à bientôt pour la suite du Arcade Quest. Salut à tous!